travail quand on est en situation de rue peut relever en général de l'utopie. Comment pouvoir s'y consacrer pleinement alors même que l'on n'a pas de quoi se laver, de quoi se nourrir, se sentir en sécurité et qu'évidemment l'estime de soi est bien souvent plus bas dans ce moment-là. Eh bien, un toit vers l'emploi sera la première des étapes, ou du moins un toit sera tout simplement la première étape pour accompagner. Et ça tombe bien parce que c'est le thème de ce magazine en compagnie de Franck Renaudin. Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Un Toit vers l'emploi, car vous favorisez l'insertion ou la réinsertion sociale grâce à cette vision qu'on perd peut-être parfois de vue parce qu'on pense d'abord à l'emploi, alors que non, il y a des tas de choses à prendre en considération en amont pour favoriser cette démarche vers l'emploi. Comment ça vous vient cette idée, alors que vous êtes quelqu'un qui avait toujours entrepris et qui vous êtes toujours investi en direction des autres? Comment ça démarre? Ben, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans déjà dans les pays en développement sur l'insertion socio-économique de mères de famille en très très grande précarité. Et j'ai eu il y a quelques années une envie de m'intéresser à la très grande précarité sur notre territoire, ici chez nous. À partir de là, le sujet des personnes sans-abri était une évidence un peu pour moi. Et je me suis dit qu'il fallait sortir des sentiers battus et de toutes les propositions qui existent sur notre territoire, parce que manifestement, ça marche quand même pas très bien quand on voit le nombre de gens à la rue qui augmente année après année. Il a doublé en 10 ans dans notre pays. Donc ça veut bien dire que les réponses sont pas adaptées, en tout cas pas pour tout le monde. Et j'ai donc réfléchi à d'autres solutions, comment innover. Et je suis tombé tout à fait par hasard sur un article qui parlait des tiny houses aux États-Unis pour les gens en situation de mal logement ou qui se retrouvaient à la rue. Et j'ai trouvé ce concept de mini maison mobile en bois absolument extraordinaire. Et à la fermeture de ce magazine, tout devenait complètement limpide et évident. Et c'est ainsi que, très rapidement derrière, j'ai lancé ce programme Un Toit vers l'emploi. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent l'expression et qui connaissent la construction de tiny houses, on pense plutôt à des maisons secondaires qui vont nous servir pour nous balader, qu'on pourrait monter même avec des roues pour pouvoir le faire. Là, on est vraiment dans une conception totalement différente puisque le but majeur, c'est de donner une nouvelle chance à quelqu'un qui a perdu peut-être un peu espoir. Exactement. Le marché des tiny houses en France, hein, c'est celui que vous avez décrit. C'est plutôt pour des personnes qui ont des moyens. C'est un prix au mètre carré qui est super supérieur à l'habitat traditionnel. Ce que j'ai souhaité, c'est lancer une offre, hein, développer une offre sur le territoire de la métropole de Rouen, de tiny house à prix abordable, exclusivement pour des personnes en situation de rue. Alors il y a deux entités qui, je ne vais pas dire fusionnent, mais sont complètement liées et concernées, c'est la Fabrique Ayoubs et puis la Case Départ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, alors en ayant ce projet en tête, très vite, l'idée d'un toit d'abord, donc de développer une entreprise qui produise des petites maisons mobiles en bois est venue. Hein, c'était une première réponse évidente. Mais aussitôt, on se dit, il ne suffit pas de mettre des gens en situation de précarité dans une tiny house pour que tout à coup, tous leurs problèmes s'évaporent et que la vie devienne toute rose. Donc du coup, spontanément, j'ai souhaité mettre en place un lieu d'accueil de jour pour toute personne en situation de grande précarité, sous statut associatif. Ce lieu d'accueil, c'est donc l'association La Case Départ. Et on a eu la chance de trouver un local, rue de Bapaume à Rouen, qui puisse accueillir à la fois l'entreprise de production des tiny house, la Fabrique Ayoub, et en même temps, le lieu d'accueil associatif, La Case Départ. Donc tout ça marche en effet de façon très complémentaire. Ce sont deux entités parfaitement complémentaires. Il y en a une qui est là pour accueillir, écouter, orienter les personnes pour résoudre leurs problèmes, leurs freins, pour celles dont le profil est adapté, leur recommander de loger en tiny house. Et l'autre qui est là pour produire ces petites maisons faire en sorte qu'il y ait une solution d'habitat adaptée aux personnes avec en situation de rue, et notamment celles avec un long passé de rue.
Alors, dans la partie qui concerne la case départ, il y a vraiment une oreille ouverte, très ouverte, oui. Parce que pour dispenser de l'aide, et puis vous allez aussi prodiguer des ateliers thématiques, il faut que ça soit le plus en phase avec la réalité des gens, et puis penser aussi à comment on va pouvoir les ouvrir ou les réouvrir par rapport au monde qui les entoure. Oui, il y a l'idée au niveau de la case départ d'avoir un lieu d'accueil un peu différent de ce qui se trouve ailleurs, c'est-à-dire vraiment d'essayer de travailler sur... toutes les dimensions de la personne par rapport aux besoins exprimés et d'essayer de pouvoir apporter une réponse. Alors, tout en s'appuyant sur le magnifique réseau d'acteurs qu'on a au niveau de la métropole, on a beaucoup, beaucoup d'acteurs sur cette métropole qui peuvent répondre à un certain nombre de freins des bénéficiaires, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine du psy, de la reconnaissance de droits, de l'hébergement, dans le domaine du travail, enfin dans plein de domaines. Donc du coup, on s'appuie sur tout ce réseau d'acteurs pour orienter nos bénéficiaires afin de lever un certain nombre de freins. Et en même temps, on va, nous, être très actifs sur deux thèmes particuliers. L'accès à un logement adapté, donc notamment les tiny house, et le retour à l'emploi. C'est vraiment les deux dimensions sur lesquelles on va vraiment essayer d'accompagner la personne dans la très longue durée. C'est quoi les thèmes que vous déclinez dans vos ateliers ? Alors, les ateliers portent sur plein de thèmes différents. Il y a atelier cuisine, bois, couture, coiffure, art-thérapie. Donc, avec plein de partenaires aussi. Alors, avec des intervenants. Des intervenants. Là, on a des intervenants extérieurs qui viennent. Et l'objectif de ces ateliers au sein de la case départ, c'est redonner goût aux personnes de l'activité régulière. On est avec des personnes qui parfois ont passé 3, 4, 5, 10 ans dans la rue, n'ont plus du tout l'habitude de se lever le matin pour une activité. Et là, avec ces ateliers, l'objectif, c'est qu'elles viennent avec entrain faire une activité de leurs propres mains et rencontrer du monde. Et ça le remet vraiment dans une dynamique d'avoir envie de retrouver une activité régulière. Et on a eu plusieurs cas de personnes qui ont, en venant à ces ateliers, au bout de 3, 4 mois, nous ont dit « maintenant, j'ai envie de retravailler ». Voilà, c'est magique, mais ça marche très bien. Vous avez parlé de logement adapté. C'est quoi un logement adapté ? Bien justement, dans notre public là, qui fréquente la case départ, on a une proportion très importante de personnes qui nous font savoir qu'elles ne veulent pas entendre parler de foyer, de mise à l'abri, ni même d'appartements en dur. On a plusieurs personnes qui ont eu des appartements avec des bailleurs sociaux et qui ont été parfaitement incapables d'habiter ces appartements. Parce que quand on est à la rue depuis longtemps, repartir cloisonné dans des habitats dans lesquels il y a des voisins, c'est compréhensible, mais malheureusement, il y a trop peu d'acteurs aujourd'hui de l'hébergement. Au niveau des collectivités publiques, c'est la même chose. Il y a trop peu d'acteurs qui l'ont intégré dans leur politique. Et aujourd'hui, il est essentiel de dire, sur la base de notre expérience à Rouen, de dire que si on veut vraiment qu'il n'y ait plus personne à la rue, ça passe forcément par le développement d'un habitat alternatif, parce qu'il y a une proportion trop importante de gens à la rue qui ne peuvent se remettre debout que grâce à cet habitat alternatif. Et d'ailleurs, parmi les personnes aujourd'hui, les 19 personnes qui bénéficient de nos 16 maisons, la quasi-totalité d'entre elles ne veulent pas changer de dispositif. Elles nous disent aujourd'hui, moi je veux rester dans ma maison, dans la très longue... C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que les maisons sont qu'une étape pour autre chose qu'on peut entrevoir, ou est-ce qu'on envisage du définitif ? En fait, on laisse le choix aux personnes. Aujourd'hui, la quasi-totalité d'entre elles nous disent c'est du très long terme. Je pense qu'on doit être à 17 sur 19 qui nous disent pour moi, c'est du définitif. Par contre, ça va être à notre équipe sociale au niveau de la case départ d'aider la personne à savoir si c'est vraiment la meilleure solution pour elle. Et il nous est arrivé au moins à deux reprises pour le moment de dire à des bénéficiaires mais toi, tu penses, toi, tu en rêves, et oui, c'est génial, t'es dans ta petite maison en bois, t'es dans la nature, c'est parfait. Nous, on pense que tu manques de liens sociaux, on pense que tu serais beaucoup mieux dans des structures plus adaptées en termes de liens, de soins et autres. Voilà, donc c'est plutôt à nous de faire ce travail et de discerner si oui ou non, c'est vraiment la bonne solution pour la personne. Franck Renaudin, en deux mots, comment on peut retrouver toutes vos activités sur un site ? Oui, alors malheureusement, on n'est pas très bon en com'.
Mais ceci dit, si vous tapez un toit vers l'emploi, vous retrouvez un certain nombre de choses sur Internet. Et la fabrique Ayoub.fr a un site web qui permettra de retrouver de l'information. Et vous serez toujours le bienvenu à cette antenne, sur ce micro, pour nous en parler. Bien merci. Et vous pouvez retrouver ce magazine, si vous le souhaitez, mais on vous enjoint à le faire, sur nos podcasts audio et vidéo, sur l'application et notre site Radio Sensation.